Et coucou tout le monde. On se retrouve pour faire les tirages de l'horoscope du mois de juillet 2021. Donc, dans ces horoscopes, je vais vous présenter des nouveaux jeux qui, j'espère, vous plairont. Vous les avez, j'ai déjà fait les présentations sur ma chaîne. Donc, vous pouvez les retrouver ainsi que toutes les coordonnées de chaque jeu qui vous intéresse, qui seront aussi écrit dans les reviews. Donc, dans la présentation des jeux, vous n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et il y aura tout d'expliqué. D'accord? Alors, je vais vous présenter celui-ci qui est, on va dire, un peu mon chouchou pour l'instant, en tout cas. Qui est très parlant, très complet, très tout quoi. Donc, je vais m'en servir pour les tirages de l'horoscope, je vais m'en servir pour le tirage professionnel et financier, mais on peut avoir d'autres messages, d'accord? Donc, c'est l'oracle des lumières d'Inanna, créé par Karine. Qui a une boutique sur Etsy, qui a un site, qui a une page Facebook, si je ne me trompe pas. Tout ça, ça s'appelle Fleur de Vie Cadeau. Elle a une boutique avec des produits exceptionnels. Et franchement, tout est beau, tout est. Tout... Enfin, on a envie de tout acheter. Donc, voilà. Donc, je remercie Karine, déjà, pour ce beau cadeau. Alors. Ça, c'est le dos de bec. Et un exemple, la porte. D'accord? Donc, vous avez le mot-clé là avec d'autres petits mots-clés, passage, transition. Voilà. Après, bon, vous savez comment ça fonctionne. Des fois, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit pour la simple et bonne raison que, comme avec tous mes jeux, je canalise à mesure que je fais les tirages et du coup je dis ce qui me vient en fonction des fois de l'image ou du message que j'ai ou peu importe. Quoi vous dire d'autre? Il existe un livret avec ce jeu donc vous pouvez vous en servir très facilement. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit, mais moi je vous explique mieux le jeu de toute manière. Sur le review. Ensuite, on a pour les petits messages du mois, c'est l'oracle de l'être souverain de Juliette, que je trouve très beau aussi. En fait, c'est des peintures qu'elle fait elle, c'est une artiste, hein, donc voilà, les cartes sont très belles et pleines de messages. Très pertinent. Donc vous pourrez retrouver celui-ci aussi à un site internet, une page Etsy, Instagram, YouTube, Facebook, voilà, vous aurez tout ça. On a aussi l'oracle, les messages de nos guides, donc qui est de Flore, celui-ci. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez des messages. Qui est génial et très parlant aussi. Enfin bon, ils sont tous superbes. Franchement, j'ai eu que des très belles personnes avec des grands cœurs et vraiment beaucoup de bienveillance qui ont créé ces oracles. Vous avez de nouvelles surprises qui vont arriver. Mais voilà, je suis vraiment conquise par toutes ces personnes qui m'ont offert ou fait un partenariat avec eux. Donc, celui-ci, Flore, si je ne me trompe pas, là, une boutique Etsy, un compte Insta, pareil, page Facebook, YouTube. Et elle crée aussi de très jolies choses. Vous pouvez aller voir sa boutique. Voilà. Et on a celui-ci, l'oracle, les féminités sacrées. Très beau. Très beau. Je vous lirai les messages en conseil, juste les petits messages comme ça pour ce tirage
et je ferai d'autres tirages plus complets où je vous expliquerai tout. Mais celui-là, pareil, je vous invite à aller le voir sur ma chaîne YouTube au niveau de la présentation parce que il est très intéressant. Très, très intéressant. Donc, voilà pour les petites nouveautés. Et puis, on va y aller pour les béliers. Alors, vu que je présente les oracles et que les vidéos sont plus longues, voilà, j'ai décidé pour le mois de juillet de faire les signes astrologiques dans l'ordre normal. Donc, on va commencer par les béliers. Donc, voilà, pour gagner un peu de temps et ne plus tirer au sort chaque signe. Allez, on y va. Alors, on y va pour l'énergie du mois. Ça, c'est l'oracle des chakras que vous connaissez déjà pour certains. Hein. Je vous mettrai les noms de tous les oracles que j'utilise. Pour certains oracles que je vous ai présentés, ah oui, si vous les commandez, il y a une réduction sur une guidance personnalisée que je pourrais vous faire de 40%. Mais pour ça, il faut avoir le code promo que la personne vous délivrera. D'accord? Donc, c'est valable pour l'oracle des lumières d'Inanna, celui-ci. C'est valable pour les messages de nos guides. Allez, le bélier, s'il vous plaît, juillet 2021. Un message. Alors, les béliers, vous devez travailler ce mois-ci sur le chakra du cœur. Regardez-moi cette carte magnifique. Voilà. Donc là, pour l'énergie du mois, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de travailler, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. D'accord? Vous pouvez travailler avec tout ce qui est cristaux de couleur verte, rose. Voilà. Reconnectez-vous à votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Les béliers, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur. Il y en a qui sont complètement fermés en ce moment. Si ça vous parle, vous me direz. N'hésitez pas à mettre des conseils, des commentaires. Des conseils aussi pour ceux qui en ont. S'il y en a qui ont des conseils pour aider les autres sur la chaîne à ouvrir leur cœur. Moi, je ne peux pas développer trop sur les guidances parce que sinon les guidances durent trop longtemps. Mais bien sûr que vous pouvez partager vos conseils. Et c'est même le bienvenu. Alors, professionnel et financier. Bélier. Vous êtes bavard. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous, dans le sud, il fait vraiment chaud. Donc, ça y est, ça commence. Ça commence. On va pas se plaindre. Hein. Okay. Les béliers. En dos de deck, vous avez la carte le destin, mission de vie et hors de contrôle. Je pense que là, ça va vous emmener, on va voir ce qui est sorti, mais je pense que
la foudre divine va taper et que vous n'aurez pas trop le choix que de partir sur votre chemin de vie. Hein. Alors, beaucoup de messages, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, ici on me dit que vous êtes dans une période où, en fait vous vous méfiez. Avec la carte de la ruse, méfiance et stratégie, vous méfiez parce que professionnellement il y a quelque chose qui tourne pas rond pour vous. Vous êtes pas sûr de quelque chose, le bélier, ou de quelqu'un. Donc vous, du coup vous vous repliez beaucoup sur vous, avec la carte du sanctuaire. Il y a un repli sur vous qui est impressionnant parce que, ouais, ok, vous vous méfiez parce qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits avec une personne, d'accord. Il y a eu des désaccords, il y a eu beaucoup de colère, je pense, qui s'est passé, on me dit. Alors là, j'ai pas la carte de la colère, mais voilà, on me parle vraiment de grosses crises de colère. Donc voilà, là vous êtes vraiment sur le qui-vive. Hein. La méfiance, c'est... vous êtes vachement renfermé sur vous-même. Vous ne savez plus trop si vous devez faire confiance à cette personne ou pas. Alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous bossez et qui vous a volé un projet ou je ne sais pas. Mais du coup, vous êtes vraiment dans le... Là, j'ai la carte du châtiment, alors la punition, la culpabilité, vous vous dites, mais pourquoi je lui ai fait confiance, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai fait confiance à cette personne qui, finalement, ne méritait pas tout ça, ok? Mais, par contre, vous avez la carte de la justice. Donc, la justice, c'est quoi? C'est le jugement. Il se passe un jugement, une moralité de toute cette histoire, que si vous avez vécu ça, les béliers, ce n'est pas pour rien. D'accord? Ce n'est pas pour rien. Et là, avec la carte de l'eau, les émotions, circulation des énergies, ça me parle que... En fait, je pense que vous avez... Alors, j'ai pas de carte non, sur le karma. Mais je pense qu'il y a quelque chose de karmique, on me dit. D'accord? Vous avez certainement un lien avec cette... Enfin, ce qui s'est passé, c'est pour moi... Peut-être un problème karmique que vous êtes en train de régler. Et du coup, toute cette panoplie de cartes, j'ai envie de dire pas très sympa, me disent que ben, en fait, ça va être pour vous faire évoluer dans vos émotions, comprendre les choses, d'accord? Vous allez comprendre. Alors là, vous avez la carte de la loupe qui vous aide à observer, à chercher, on vous dit. Donc, on vous dit, ben oui. Ok, maintenant il s'est passé ça, essaye de comprendre, essaye d'écouter tes émotions, bélier, et essaye de prendre le temps, observe ce qui se passe, observe ce qui se passe dans ton cœur, observe ce qui se passe dans ta tête. Alors bien sûr, hein, le mental là, il est bien présent, hein, il est bien présent, mais ouais. On vous dit quand même que, bon, vous avez des personnes autour de vous qui vous écoutent, d'accord? Avec la carte de la bienveillance, là, vous êtes quand même écouté et épaulé. Et je pense même que vous êtes surtout épaulé par là-haut, d'accord? Par l'univers, parce que vous avez la carte de l'espoir, prière et souhait exaucé, d'accord? Donc, vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Par contre, on vous dit voilà, de vous rééquilibrer donc, au niveau émotionnel. Et ça peut passer par, par une source d'alimentation, d'accord, pour vos besoins vitaux, ça vous a mis dans les chaussettes un peu. Hein, tout ça, l'énergie, elle est vraiment basse pour vous les béliers. Alors, pas tous les béliers, bien sûr. Hein, je rappelle que ces tirages sont généraux. Mais voilà, on vous dit de manger sainement.
J'entends grincer là. Manger sainement. Il y en a qui se disent, mais on ne va pas manger que des fruits et des légumes. Non, on peut manger sainement et plein de bonnes choses, hein, je vous rassure. Quoi d'autre? On me parle. Alors, on est plus dans votre état d'esprit dans ce tirage. Bon, alors, le professionnel aussi, mais on est vraiment. On me montre une période de votre vie qui, du coup, vous bloque un peu certains béliers professionnellement, d'accord? Mais ça va aller vers une amélioration. Ça va aller vers une amélioration parce que vous allez avoir une annonce, une communication qui va se faire. Vous avez un message qui arrive. Un message qui va vous rassurer, d'accord? Un message que. Et je pense que c'est quelque chose dont vous avez rêvé. Quelque chose que vous avez imaginé avec la carte du rêve. C'est quelque chose de très positif qui vous arrive là. Quelque chose que vous avez rêvé et en plus vous avez la carte de l'intuition, d'accord? La carte de la lune. Et avec cette carte, j'ai envie de dire, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Alors, on me dit que les messages, ça ne va pas forcément être des messages mail ou courrier, hein. Vous risquez d'avoir des messages dans vos rêves. Voilà. Vous risquez d'avoir des messages dans vos rêves, vous risquez d'avoir le message, il y a une pleine lune qui arrive, d'accord? Vous risquez d'avoir des messages en écoutant votre intuition, en réfléchissant, allez méditer, imaginez, pensez, réfléchissez. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous et ça sera la construction. Pour moi, là, la carte de la maison, deux significations. Alors, oui, là, on m'a écrit foyer, réconfort. Pour certains d'entre vous, Bélier, vous allez vous retrouver, vous, d'accord, dans votre cœur, dans votre âme, et du coup, vous allez être réconforté de tout ça. Pour d'autres, pour moi, c'est la construction professionnelle qui aboutit. D'accord? Vous allez prendre le temps, vous allez vous ressourcer, vous allez mieux vous alimenter. Il y a beaucoup de choses énergétiquement qui vont se passer pour vous, les béliers. Et il va y avoir des fondations. D'accord? Pour moi, la carte de la maison, pour certains d'entre vous, c'est les fondations solides. Et pourquoi je vous dis solide? Parce que vous avez la carte de la réussite, victoire et succès. D'accord? Donc, voilà, vous passez en tout cas, je pense fin juin, début juillet, par des périodes un peu compliquées où vous y êtes déjà dedans, pour certains. Mais ça va s'améliorer, d'accord? Ça va s'améliorer, vous avez l'espoir, vous avez la réussite, les messages, les rêves, enfin, vous avez beaucoup, beaucoup de belles cartes. Ok? Allez, on y va pour le côté affectif. Les béliers, s'il vous plaît. Côté affectif, ça peut parler de la famille, des amis, du cercle de collègues de travail ou de votre compagne ou compagnon, peu importe, prenez ce qui vous parle. Avec l'oracle coup de cœur, on y va. Les béliers, effectivement, s'il vous plaît, quel message? Encore des messages. Ok. Vous n'êtes pas très bavard, hein? Niveau affectif. En dehors de deck, vous avez la lumière. Hein? Très belle carte. Alors pour certains béliers, il y a quelqu'un qui a profité de vous au niveau affectif, d'accord?
Il y a quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse, de votre patience, on me dit. Voilà, de votre confiance même. Hein, voilà, on va aller jusqu'à là. Et les masques sont tombés, d'accord? Les masques sont tombés, ça y est, vous vous êtes aperçu que... Ben... qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, d'accord? Vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais, après, alors, on me dit que c'est vos ressentis, d'accord, qui vous ont ouvert les yeux, qui vous ont ouvert les yeux, les béliers, sur cette personne. Alors, je pense qu'on est dans l'affectif, mais pas en relation amoureuse dans ce tirage, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de messages. Et là, j'ai la carte de l'union. Mais la carte de l'union, là, pour moi, en fait, justement, c'est que vous avez ressenti qu'il y avait une coupure avec une personne. Alors, on va voir. On va approfondir avec celui-ci. Ok. Alors, on va repiocher quelques cartes. Parce que ça me laisse quand même perplexe. Et moi, j'aime bien avoir tous mes messages. Est-ce que c'est cette carte de l'union qui m'a chagrinée, Bélier? Parce que là, j'ai la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Les Béliers, vous êtes des tombeurs en ce moment? Des tombeurs, mais vous n'êtes pas vous êtes c'est pas avec un ok. Est-ce que je peux avoir encore un message? Voilà, ok, bon, je comprends mieux. Alors voilà, vous avez été fortement blessé suite à cette personne qui a profité de vous, où les masques sont tombés, où vous avez ouvert les yeux, hein, n'est-ce pas? Vous avez ouvert les yeux sur cette personne. Et là, on vous dit que vous allez faire un déplacement, d'accord, les Béliers? On vous dit que vous allez faire un déplacement, que vous allez avoir une surprise lors de ce déplacement. Alors, déplacement, ça ne veut pas dire forcément changer de pays, voyager, ça veut dire déplacer peut-être quelque part dans une autre entreprise ou je ne sais pas, il y a un rapport avec le travail quand même, hein, dans votre tirage. Il y a quand même un rapport avec le travail. Alors, je ne sais pas si vous travaillez... d'accord, ok. En fait, on me dit que, affectivement, d'accord, c'est quelqu'un de très proche, hein, qui vous a blessé professionnellement, là. C'est qui vous l'a fait à l'envers un peu. C'est quelqu'un de très proche qui vous a mis à mal émotionnellement. Donc, on est vraiment dans un tirage affectif. Mais par contre, qu'au niveau affectif, ça va évoluer parce que vous allez vous déplacer et vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? En fait, ça commence par un tirage. Je m'explique parce que c'est un peu fouillis ce que je vous raconte là. Mais je comprends mieux. En fait, au niveau affectif, pour l'instant, vous êtes mal parce que pour certains d'entre vous, en tout cas, au niveau... c'est ce tirage qui me sort. C'est vraiment sur votre côté affectif au boulot. Ce qui s'est passé avec cette personne, pour ceux qui sont à l'école, ben à l'école, pour ceux, parce que oui, j'ai des gens qui sont à l'université ou ailleurs. Et donc, mais voilà, autour de vous, professionnellement parlant, il y a quelqu'un qui vous a vraiment blessé. Mais par contre, vous allez vous déplacer, d'accord, au niveau, pour votre boulot, je pense, ou une sortie autre, pour certains.
Et vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, rien à voir là avec votre côté professionnel. Il se peut que ce soit dans le travail. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. OK? Et c'est pour ça qu'après, vous avez la carte de la passion où on vous dit que vous êtes plein de séduction. D'accord? Bon. OK. Et il n'était pas facile celui-là à comprendre. Il me manquait un peu des cartes. Alors, tirage spirituel pour les béliers, s'il vous plaît, ou complémentaire. Avec le jeu magie et protection, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que ça peut compléter le pro et l'affectif, ou sinon, que parler du côté spirituel, ça dépend. Très souvent incomplète, hein, quand même. Bon, là, en dos de deck, on vous parle de méditation, calme et repos. On vous dit bien que vous avez besoin de temps, de repos. Prenez soin de vous, vraiment. Ah, ben ok. Hein. Alors, ça, ok, ça, ok. Tac, tac, tac. Changement. Ouais. Alors, on me dit, les béliers, que vous avez vraiment un homme négatif autour de vous. Donc, pour les vous adapter, hein, ça peut être un ami, ça peut être un concubin, que vous soyez homme ou femme. Moi, je n'ai pas de problème avec les genres, les couples homosexuels, ça vous regarde aussi, bien sûr. Donc, pétard, voilà. Alors, ça va avec ça. Ok. Alors, on me dit au niveau professionnel. Alors, il est où celui-là? Hop, ça. Au niveau professionnel, on me parle d'une évolution professionnelle. Voilà. Donc, vous aviez la carte de la réussite tout à l'heure, n'est-ce pas? Et là, on me parle d'une évolution professionnelle. Par contre, on me parle de déménagement et changement. Donc, pour certains, là, vous avez le déménagement. Là, le changement. Pour certains, ça va être un changement d'emploi, d'accord? De travail, d'école, peu importe. Et on me parle là de 3 semaines. Donc, ouais, on me parle là de 3 semaines. Donc, il va se passer un changement dans 3 semaines. Alors, peut-être pas le déménagement tout de suite, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les béliers. Alors voilà, je vous le dis, ça peut être professionnel ou alors ça peut être un changement de lieu, d'accord? Alors ça, c'est votre homme qui est négatif autour de vous, vous voyez, qui n'est pas très sympathique. Mais on vous parle que vous avez la puissance énergétique avec vous, ok? Et les soins énergétiques. Je pense qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, les béliers, ça serait bien de vous faire aider par une personne afin de vous nettoyer un petit peu de cet homme néfaste, d'accord? De vous nettoyer, de vous purifier et aussi de vous recharger parce que là, on me dit que vous êtes vraiment énergétiquement fatigué, d'accord? Vous êtes fatigué. Donc, tout ça, ça va vous demander de l'énergie. Beaucoup, surtout si vous déménagez, que ce soit professionnel ou pas, ça va être encore un grand bouleversement pour vous. Donc, il est temps, je pense, de prendre soin de vous, les béliers, avant de commencer tout ça, d'accord? Ou c'est peut-être une fois que vous aurez fait même tout ça, que le changement
va pouvoir arriver, et l'évolution professionnelle, et l'évolution affective, ainsi que le déménagement. D'accord? Ensuite, on me parle que, donc voilà, vous avez eu la carte de l'union au niveau affectif. Vous avez la relation sincère de confiance. Vous allez rencontrer quelqu'un de génial, d'accord? Quelqu'un qui va faire un bon bout de chemin avec vous. Pour certains, pour d'autres, ça sera même un indéfini bout de chemin, on va dire. Et vous avez le changement aussi dans l'affectif. D'accord? Vous voyez ce mot là, love et les deux signes. Vous avez le changement. Donc, et on vous dit en plus, vous avez la carte de confiance et espoir. Donc, voilà, avec trois cartes pareilles, je pense qu'au niveau affectif, tout va bouger aussi. Alors, on me dit que c'est certainement après ce déménagement. Hein. Déménagement, pourquoi? Je vous dis ça. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on vous a dit que c'était dans un déplacement que vous avez rencontré l'amour. Les béliers. Donc, si vous ne faites pas ce déplacement, et qui, je pense, est le déménagement, puisque vous avez quand même deux fois la carte du changement qui sort, d'accord, et affectif, et côté vie, côté général. Donc, voilà, je pense que tout va changer à ce moment-là. Ok. Bon, ben, super. Super. Tout va rentrer dans l'ordre, mais vous avez été un peu secoué, d'accord? Vous avez été un peu secoué, enfin, où vous allez l'être, mais bon, allez, on va rester positif, on va avoir un petit message sympa de l'oracle de l'être souverain de Juliette Piazza. Ah ben, deux messages pour vous, vous êtes vraiment gourmand, hein, les béliers. Alors, voilà, ok. Là, on vous demande vraiment, et ça correspond vraiment à l'énergie du mois, le chakra du cœur, d'accord? On vous demande de vous accepter tel que vous êtes. La carte, c'est « Je m'accepte tel que je suis ». Voilà. Et le deuxième message, c'est « Je suis la paix ». Vous avez besoin, les béliers, de paix. Vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de votre cœur. D'accord? Votre chakra du cœur, là, on me dit qu'il est complètement bloqué, les béliers. Vous devez retourner vers la paix. Vraiment, 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 vraiment. Là, c'est très, très important pour vous. Pour que vous puissiez avancer dans la vie, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, un message du jeu de Flore, message de nos guides, s'il vous plaît. Il est là. Et voilà, forcément. À qui as-tu besoin de pardonner? Alors, je vais vous la lire. Les difficultés que tu rencontres en ce moment sont entraînées par la rancœur et la colère qui minent ton cœur. Ces émotions alourdissent tes énergies et il est important que tu t'autorises à les libérer. Le pardon est le seul chemin qui mène à la guérison complète et parfaite. En pardonnant, tu retires à l'autre le pouvoir qu'il a sur toi. Ce sera très libérateur. Le pardon à l'autre est en fait un cadeau que l'on se fait pour retrouver sa liberté. Eh bien, je vous le mets, j'espère que vous arrivez à le prendre en photo parce que waouh! Quel beau message! Quel beau message! Vous êtes vraiment senti trahi. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à partager si vous en éprouvez le besoin, bien sûr. Après, oh, on a trop. Après, si vous avez besoin de soins énergétiques, je peux vous les faire moi. Ou vous allez voir quelqu'un qui est autour de chez vous, peu importe votre. La personne qui est autour de vous. Alors, et là, on nous parle de la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. En fait, tout tourne autour des autres, les béliers, pour vous. Tout tourne autour des autres. Alors là, on vous explique avec ce jeu, si vous allez voir la vidéo que j'ai fait pour le présenter,
La couleur jaune ici, c'est une couleur qui peut vous aider, d'accord, à travailler sur cette blessure de rejet, d'accord. Vous pouvez vous habiller en jaune, regarder du jaune. Voilà, tout ce qui se rapporte au jaune est agréable pour vous en ce moment, d'accord. Et je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. On vous dit vraiment que là, vous avez besoin de pardonner et peut-être même de vous pardonner à vous-même. Si vous arrivez à pardonner à ces personnes-là, on me dit que c'est là où vous allez reprendre votre place. Vous allez pouvoir reprendre une vie normale, d'accord? Vous allez pouvoir évoluer avec ça, ouvrir votre chakra du cœur, vous accepter, être dans la paix, évoluer, déménager, bouger. Être heureux affectivement, professionnellement réussir. Enfin voilà, là on ne peut pas dire autrement que tout était. Je vais juste vous dire ce qui peut vous aider en fleur de bac. Alors je ne vous lis pas tout le message de cette carte parce que ça serait vraiment trop long et en fait je pense que. Les vidéos trop longues pour certains, ça vous plaît pas. Alors dites-moi justement en commentaire hein, si vous préférez des vidéos longues ou pas longues. Au moins, je sais, hein, je peux m'adapter. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, voilà. On vous parle de travailler sur votre chakra du plexus solaire aussi, le jaune, d'accord? Et c'est une carte parfaite pour reprendre votre pouvoir personnel et éloigner le jugement des autres. On vous dit que vous pouvez travailler. Alors, c'est vraiment, c'est génial en fait quand je fais des tirages comme ça où tout est relié. On vous dit que pour travailler sur cette blessure-là du rejet, pour reprendre votre place, il faut travailler avec le quartz rose. Je ne l'invente pas. Hein. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, le quartz rose. Et le quartz rose, il travaille sur quoi? Sur le chakra du cœur. Donc, waouh, quel beau tirage. Et ensuite, on vous dit que vous pouvez prendre pour certains d'entre vous les fleurs de Bac numéro 9 et numéro 28. D'accord? Ouais. Donc, numéro 9 et numéro 28. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et puis, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et à cocher la petite cloche pour recevoir toutes les autres vidéos. Et puis, voilà. Hein, on se retrouve pour le mois d'août ou avant pour d'autres tirages. Bye bye!